Salut à tous, ici c'est pas Mr. T mais c'est Mr. Agassi pour un nouvel épisode de Needle Minecraft, donc le numéro 3. Alors je vous avais promis un tuto, j'ai pas cherché dans l'originalité la plus poussée. J'ai fait donc comme vous avez pu voir dans le titre, comment créer plusieurs mondes sur son serveur. Alors je vous dis tout de suite, il ne faut pas qu'un seul plugin. Ou alors si vous prenez qu'un seul plugin, donc le plus important, ça va être nul. Ça va être même impossible pour les joueurs, sauf s'il n'y a que des admins, que des hop. Mais ça m'étonnerait. Donc, il vous faut, en tout et pour tout, 3 plugins. Un qu'on peut changer. Un qui n'est pas indispensable, mais presque. Et un indispensable, pour le coup. Alors, on va tout de suite les voir. Il s'agit donc de Multiverse 2.3, de Multi-Inv 2.4.1 et de Creative Gates. Alors, à quoi il sert? Multiverse, c'est lui qui va créer les mondes, donc sur votre serveur, à l'aide d'une commande in-game. Alors, il n'y a pas de configuration spécifique à faire, sauf pour quelque chose, bon, on verra tout à l'heure, c'est vraiment très court et très facile. Les configurations, dans ce tuto, il n'y en aura pas des masses, il n'y en aura vraiment pas. Alors, Multi-Inv, alors c'est quelque chose vraiment de très utile, surtout si vous avez un serveur RP et que vous voulez faire un monde freebull. Alors, j'explique un peu. Un serveur RP est normalement quelque chose qu'on obtient en minant, en tuant des mobs. C'est pas quelque chose qu'on obtient avec le mode créatif. Sachant que dans le freebuild, d'habitude, enfin, si vous mettez le joueur en créatif sur le freebuild, et que vous n'installez pas ce plugin, par exemple, pour reprendre un stack de diamants dans le freebuild, revenir dans le RP et avoir 64 diamants en RP. C'est trop facile. Donc ce plugin est vraiment indispensable si vous voulez pas que ça arrive. Donc, si vous comptez mettre votre serveur Freebuild en RP, il n'est pas indispensable, mais c'est toujours mieux. Comme ça, on a bien les ressources séparées entre deux mondes, voilà. Alors, donc Multi-Inv, c'est ça. Ça va séparer, en fait, les inventaires de joueurs entre les mondes. C'est très bien. Un très, très, très bon plugin. Et Creative Gates, en fait, c'est lui qui est vraiment interchangeable. Il y a plein de plugins qui permettent de faire des portails. Sauf que les portails, c'est souvent avec des panneaux, c'est vraiment quelquefois avec de la config. Alors que là, pas du tout. Ici, c'est vraiment, on verra tout à l'heure, c'est vraiment, je pose des blocs, je fais clic droit sur un de ces blocs, et c'est fini. En plus, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment lui donner la forme qu'on veut. On verra ça tout à l'heure. Alors, on va commencer par les installer, ces 3 plugins. Alors, comme d'hab, j'ai déjà préinstallé ces plugins, parce que je les ai sur mon serveur à moi, donc... Je vais juste vous faire une petite démonstration. Donc, on se connecte sur son FTP de son serveur. Donc, on va dans le dossier plugin. Hop. Tac. Plugins. Et on descend bien dans les points jar. Comme je vous avais dit dans mon Needle Minecraft numéro 1. On descend bien dans les points jar. Donc, on va tout de suite télécharger Multiverse, qui est le plus important. Alors, on va aller sur Bucket Dev. Donc, sur... Bucket Dev, donc sur Multiverse Core, parce qu'une Multiverse Portal, justement, c'est ce qui permet de faire des portails entre les mondes, mais beaucoup moins esthétique. Hein, sachant que l'esthétique, c'est quand même dans un serveur, c'est quand même important. Et Nether Portal, ça c'est pour tout simplement les portails du Nether. Ça sert à faire des portails comme des portails de Nether. Enfin, voilà. Donc ici, nous sommes sur la page Bucket Dev de Multiverse Core. Alors. On voit qu'ici, les téléchargements, ils sont vraiment vieux, parce qu'ils sont 1.1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller là, dans DevBuild, voilà. On tombe sur une page Jenkins, donc ici. Et ici, on va voir qu'il y a les derniers builds à télécharger, donc il y a 9 jours. Donc, logiquement, il devrait être en 1.2.5. Bon, il est en 2.4. Mais les 2.4 et 2.5 sont les plugins marchent s'ils sont en 2.4 sur la 2.5. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, on va télécharger le Multiverse Core 2.4. Enfin, 2.4, c'est pas la version Minecraft, hein, c'est la version du plugin qui est compatible avec le 1.2.5. Sachant que celle d'avant, c'était 2.5. Bon, bref, passons. Alors, on va simplement faire, donc, comme d'habitude, hein, vous en avez l'habitude, un glisser-déplacer dans nos points jar. Donc là, je lâche la souris, ça le télécharge. Hop.
Vous redémarrez votre connexion et logiquement, vous allez avoir ce fichier-là. Si ça ne le fait pas, si vous avez redémarré votre connexion et que ça ne le met pas, vous fermez carrément FileZilla et vous vous reconnectez. Et si vraiment ça ne marche pas, bah vous réinstallez, désinstallez le pointeur. Très simple. Donc, voici Multiverse installé. Maintenant, que faut-il faire? Eh bien, on va installer Multi-Inv. Donc, aussi, il a une page dev, mais beaucoup moins conséquente parce qu'il n'y a qu'une seule version du plugin. Et là, on voit que c'est parfait, qu'il est en 1.2.5. Alors, on n'hésite pas, on installe. Et on va faire, comme d'habitude, un glisser-déplacer. Pas là, mais là. Dans les plongeurs, évidemment. Excusez-moi. Dans les plongeurs, donc, évidemment, glisser-déplacer, on lâche et ça l'installe. Une fois que vous avez installé donc Multi-Inv, vous avez deviné qu'on va installer Creative Gates, qui est aussi sur Bucket.dev. Donc là, je suis sur Bucket.dev. Et on voit qu'il est en point 1.3.3. Bon, on se dit c'est mort. Mais non, en fait, je sais pas par quel miracle, mais il marche. Il n'y a pas de devbull, donc il n'y a pas de patch check-ins. Il y a juste le plugin 1.3.3. Alors moi, je ne sais pas par quel miracle il marche sur mon serveur, alors que mon serveur est bien en 1.2.5. J'espère qu'il va marcher sur le vôtre aussi. Sinon, dans le lien, je vous mettrai l'alternative en fait à Creative Gates qui lui est bien en 1.2.5. Si je vous mets lui, c'est parce qu'il est bien plus facile d'utilisation, il n'y a pas de config et il est bien plus esthétique en fait. Puisqu'on peut lui donner la forme qu'on. Alors évidemment, je vous ferai un tuto pas sur Multi-Inv parce que Multi-Inv c'est automatique normalement. C'est-à-dire que le plugin prend effet tout de suite entre les mots. Je vous ferai un tuto évidemment sur Multiverse et sur Creative Gates. Ensuite. Donc, vous le téléchargez tout simplement, vous avez l'habitude. Hein. Le Creative Gate Flangeard, donc vous voyez que c'est envolé, donc j'ai déjà téléchargé, donc n'ayez pas peur, normalement ça marche. Si votre serveur est 1.2.5. Donc voilà, Creative Gates. Hop, donc vous allez faire tout simplement, encore une fois, un glisser-déplacer. C'est très répétitif, mais en même temps très facile. Donc une fois que vous avez cela, on va tout simplement se rendre sur notre serveur. Si vous avez un serveur CraftBucket, vous êtes obligé d'ailleurs pour avoir ce plugin, il vous suffit et vous avez les droits. Non, vous les avez forcément. Vous les avez forcément si vous installez des plugins. Donc, ce que vous allez faire, c'est que au lieu de faire reboot votre serveur, je ne sais comment, non, c'est pas le bon lui. C'est pas le bon du tout. Donc, au lieu de vous casser la tête, aller sur votre panel de serveur et à faire reboot et attendre. Vous allez simplement faire une commande in-games qui est slash reload. R-E-L-O-A-D, tout simplement. On attend, donc normalement, pendant ce temps, regardez si j'écris là. Bon, on verra pas. Parce que le serveur est en train de rebooter les plugins. Et là, regardez, une fois que la reload est finie, on a donc mon message qui apparaît. Donc, vous inquiétez pas si ça ne marche pas et tout. Donc, voilà. Donc là, normalement, si vous avez fait tout ce que je viens de vous dire, les trois plugins sont installés. Si vous voulez vraiment vérifier, vous faites slash PL ou slash plugins. Et normalement, tous les plugins vont s'afficher. Donc là, on va vers Multi-Inv. Que je cherche Multiverse Core ici. Et Creative Gate ici. Alors, on va simplement commencer par créer un monde. Alors, j'ai déjà beaucoup de monde sur mon serveur. De monde créé. Donc, je vais pas faire la commande parce que ça surcharge en fait. Ce qui fait que mon disque dur de serveur se remplira plus vite. Alors, je ne vais pas donc le créer, je vais simplement créer un monde qui existe déjà, donc le freebold du serveur. Alors, la commande c'est mv tout simplement, donc mv pour multiverse, create, donc détaché ou attaché du mv. Mv create. Donc là, il faut mettre le type de map, donc soit nether, soit end, soit normal. Avant, il y avait Skylands, et avec l'apparition de Land, ben, Skylands, le type de map Skylands a disparu. C'est bien dommage, parce que j'aurais vraiment rêvé faire un type de map Skylands. Bon, bref. Donc, vous allez mettre Normal. Puisque Normal, si vous voulez Nether, vous mettez Nether. Puisque Normal, ça sera avec de la dirt, normal. Voilà. Et vous allez ensuite mettre le nom de votre... le nom de votre monde. Que vous voulez créer. Donc moi c'est Freebold Antica. Vous faites, pour pas prendre de risque, je vais mettre Freebold là, comme ça prend moins de place. Hop, ce monde aussi existe déjà. Alors vous allez me dire la différence, machin. C'est en fait un fail. Freebold A, c'est un fail. Donc normalement, si vous faites entrer, ça marche. That is not valid.
J'ai dû me tromper, donc gros fail. J'ai un gros problème. Voilà, donc tout simplement, pour voir les commandes, vous faites slash mvgrep. Donc là, on voit slash mvgrep. Vous faites le nom du monde. Oui, donc j'ai inversé, excusez-moi. Donc le nom du monde, Freeble A, normal. Et là, vous met, donc il met qu'un nouveau monde, un monde existe avec ce nom-là. Donc s'il n'y avait pas de monde qui s'appelait Freeble A, il l'aurait créé. Donc normalement, si vous avez passé ce message d'erreur, c'est tout bon. Normalement, ça va vous mettre quelque chose comme quoi la map est en train de se créer. Une fois que c'est terminé, pour vous y rendre sans trop de soucis, vous faites simplement, pas créer de portail parce qu'on ne sait pas encore comment on fait. On va simplement faire MVTP. Voilà. Et ensuite, le nom du monde. Donc moi, en l'occurrence, Fribble Antica. Ou Fribble A, mais bon, c'est pareil. Donc ça, simplement MVTP, le nom du monde. Donc me voici téléporté dans le monde Fribble Antica. Donc au passage, vous avez bien vu. Et j'espère que c'est ça, que ça marche multi-inv. Ça n'a pas l'air de marcher. Bon, écoutez. Ça n'a pas l'air de marcher malheureusement. Avant ça marchait. Donc MVTP free. Bon, bref, normalement multi-inv marche. Là, je ne sais pas pourquoi il marche pas, il doit y avoir un bug. Normalement multi-inv marche. Vous savez quoi? C'est qu'on va tester direct ça. Donc, désolé pour un petit moment d'attente. Donc, je vide mon inventaire pour bien voir. Normalement, ça marche. Hein, je ne comprends pas pourquoi là. Ça ne marche pas. Donc, on se rend sur les portails. Désolé du temps, mais bon, si ça marche pas, je réglerai ça après. Mais normalement, logiquement, dès que vous l'avez installé, ça marche. Il n'y a pas de config à faire pour ce plugin. Hein. Oui, donc je comprends pas. Je suis désolé. Donc ça ne marche pas. Bon, bah écoutez, bon, c'est pas grave. On va faire sans. Normalement, ça marche. Normalement, si ça ne marche pas, mettez-moi en commentaire que ça ne marche pas. On en parlera. Donc, gros fail. Bon bref, on va pas y faire gaffe et on va donc vous savez maintenant comment créer un monde. On va maintenant passer à la création de portail. Donc en voici un. Voici un portail fait avec Multiverse, avec Creative Gate. Pardon. Alors, vous pouvez donc donner la forme à ce portail, la forme vous pouvez donc donner la forme que vous voulez au portail. Donc par exemple, si je veux faire ça, attention, attention. Si je veux faire un portail tout pourri en dirt ou en n'importe quel matériau, on va simplement faire un truc du genre. N'y a pas de restriction, franchement, il n'y en a aucune. Vous pouvez vraiment donner la forme que vous voulez. Même un cube d'espace, ça ne change rien. À condition, et là c'est obligé, qu'à la base en fait, du portail, ça soit un cube de diamant. Et vous allez simplement faire clic droit sur la base de ce cube de diamant et voici la guette qui s'est créée. Donc normalement si je rentre dedans ça va me téléporter. Et donc autre chose, si vous mettez juste un portail comme ceci, donc attendez, juste pour vous montrer. Voilà. Si vous mettez juste un portail comme cela, vous voyez qu'on peut vraiment le donner. Bon, bref, je vais passer. Si vous... Si vous laissez juste ce portail comme ça ne va pas marcher. Regardez. Regardez ce qu'il met. This gate does not lead anywhere. Donc, ça veut traduisez, ce portail ne mène nulle part. Alors, comment régler ça, en fait? Alors, là où vous voulez qu'il se téléporte, donc ça peut marcher entre mondes, bien sûr. Mais pour gagner du temps, je vais le faire là. Vous allez faire exactement le même portail, en fait. Exactement. Le même portail à l'endroit où vous voulez qu'il soit téléporté. Donc ça, je le redis, ça marche entre plusieurs mondes. Donc désolé pour les bruits de piquage. On met le bloc de diamant, clic droit, et là, regardez, gate 2. Donc ça veut dire que ça marche bien. Et regardez, si je rentre là-dedans, ça me téléporte là. Si je rentre là-dedans,
ça me téléporte là. Donc vous voyez que ça marche vraiment très bien, malgré que le plugin soit programmé pour être en 1.3, je crois. Donc ça marche 1.1.3. Donc ça marche vraiment nickel. Si vous détruisez évidemment l'un des côtés, ça va détruire la. Ça va détruire la. Comment on appelle ça? Ça va détruire le portail, tout simplement. Voilà. Bon, je vais peut-être reboucher mes conneries. Donc on peut voir qu'il marche vraiment parfaitement ce plugin. N'oubliez vraiment pas de mettre à la base ce cube de diamant. Donc si vous faites un portail de 3 d'épaisseur comme cela, vous mettez bien 3 cubes ici. Et vous prenez votre cloque et vous faites clic droit sur un bloc. Ah, vous voyez. Non, vous voyez rien parce que ça marche pas. Mais tiens, ça marche pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste essayer de le réinstaller. Ça prend vraiment 2 secondes. Donc, pas la peine de vous dire, oh merde, il va encore faire ses configs et tout. Ça prend vraiment 2 secondes puisqu'on fait simplement un glisser-déplacer comme je l'aurais dit. Hop, hop. Voilà, donc là, normalement, il me demande si je veux remplacer. Voilà. Donc, remplacer, toujours effectuer cette action. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est reload. Et on va attendre. Donc, voilà, normalement, vous en avez fini. Donc là, ça n'a pas marché parce qu'il y a reload. Hein. Là, normalement, vous en avez fini avec création de monde. Donc, normalement, c'est tout. Si Permaleur Multiverse ne marche pas, parce que il y a de temps en temps des problèmes, sachant qu'il n'y a aucune config à faire, donc ça vient forcément pas de là, soit ça vient d'un petit problème qui arrive, soit c'est complètement le plugin qui n'est pas mis à jour, qui n'est pas bon pour votre version Minecraft. Alors c'est fort probable que ça soit ça, parce qu'avant il marchait, donc peut-être que c'est le passage à 1.2.5 qui l'a fait complètement délirer, donc non, ça ne marche toujours pas. Hein. Bon écoutez, c'est pas grave, si vraiment ça marche pas, vous me dites en commentaire, et puis on verra ça ensemble, voilà. Donc, on en a fini pour ce tutoriel, j'ai tourné l'épisode 4 de Survie Cubic, il y a longtemps, en même temps que l'épisode 3, je pense que je vais l'upload, d'ici demain, voilà. Alors je pars aussi, je pars donc jeudi matin, donc beaucoup de donc dans une phrase. Je pars jeudi matin et je serai de retour dimanche. Alors n'attendez pas d'avoir des vidéos d'ici là. Et n'attendez pas non plus de me voir sur le serveur. Bon, même s'il n'y a personne, on s'en fout. Donc voilà, c'est tout. Alors, je vous dis à la prochaine. Et je vous dis, s'il y a un problème multi-grave, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Si vous avez quand même des problèmes avec un des plugins que je viens de vous montrer, Creative Gates, Multiverse ou Multi-1, n'hésitez pas à m'en faire part, je vous répondrai avec plaisir. Je répondrai à tout le monde, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de monde sur ma chaîne, donc il n'y a vraiment pas de soucis. J'espère vous avoir aidé, j'espère que ça s'est bien passé.